Lundi 21. C'est bientôt Noël. Donc, nous venons de faire notre partie qu'on connaît déjà. J'ai pas le musique dans la tête. Pam, 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 pam. Ensuite, c'est donc le porte-bras que vous avez inventé qui doit durer 8 ans. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, oh punaise, oh, j'ai vraiment le cerveau percé, moi. Ah oui. Oh, c'est facile. On saute et on arrive en bas. Avec la tête en bas, si possible, sans vous regarder. Ok? Donc c'est tout ce que je rajoute aujourd'hui. Voyons voir en musique. Je fais à partir de la petite partie qu'on connaît déjà, là, les ports de bras. C'est tout. Bye. Et pour les grands? Ah oui, bon alors c'est pareil. Hein. Et ben j'ai pas besoin de le montrer 50 fois. Regardez bien. Je sais pas ce qu'on vient de faire. C'est une bonne question. Ah, punaise. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Ah oui, on vient de tourner avec la tête. Ouais. Et on est revenu avec les bras. Et alors, regardez bien. La jambe qui était derrière, celle qui va marcher en premier. Un, deux. Et on. C'est tout. À demain. Et pour la partie lyrique, ah oui, c'est pareil. Disons aujourd'hui. Pas d'excuses, ça va aller vite. Super rapide pour apprendre tout ça. On est arrivé après la torsion. Et là, musicalement, est-ce que vous avez entendu la suite? Non. Si vous n'avez pas entendu la suite, écoutez. Mettez pause, écoutez. Donc maintenant, je vous revois la question. Allez-vous écouter la suite? Bon, vous savez ce qui se passe alors après. On reprend enveloppé. Cette fois, il y a les bras qui descendent. Envelopper, retirer, layout.